bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War avec bien évidemment l'épisode 6. Et vu que le niveau d'eau a baissé, il est temps de faire marche arrière. On a déjà un coffre par ici et on a un ponton, c'est très très bien, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bienvenue, installez-vous confortablement. Préparez de quoi boire, pourquoi pas, et de quoi manger. Faites attention, on approche de l'été. Pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. On sait jamais, il y a quoi, il y a embrouille ou quoi les gars? Je m'en occupe, c'est embrouille hein. Je m'en occupe, ça, hop, ça passe totalement outre. Oh c'est beau ça. Alors vous êtes nombreux à m'avoir dit, mais B-Boy, appuie sur, hop, attendez, vous êtes prêts ça... Oh ils sont insensibles. Hop. Hop. Allez, allez, vas-y, faut m'aider mon frère. Mon fils, du moins, je ne sais pas, faut que j'arrête de taper mon frère. Allez, ça dégage. Ça dégage. Attention! Oh là là, oh, je lui mets ce qu'il mérite. Hein. Oh là là, je lui ai tellement mis ce qu'il mérite. Bref, on a un coffre. J'ai déjà vu une cloche. Deux cloches, trois cloches. Très bien, il y a trois cloches. On va voir un peu. Oh, on a un trésor. Ça, c'est plutôt bon. Alors, je vais vous demander quelque chose. Ça ressemble à un dessin. C'est peut-être une carte. Oh, on aurait trouvé une peut-être carte. Une carte au trésor. Oh, dis-moi en plus, fils. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, on a les trois cloches et on a quelque chose à tourner par ici. Alors, je vais vous demander quelque chose dans les commentaires. Ne me forcez pas à me répéter à chaque fois. Certains d'entre vous se comportent un peu comme des singes. Ne sont jamais satisfaits. Je suis peut-être, voire sûrement, le seul YouTuber francophone, donc qui parle français, à vous proposer des aventures entièrement en 2K. Ça nécessite donc plus de temps, mais par contre, le rendu, bah, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique. Et vous continuez de vous plaindre. Vous continuez de vous plaindre parce que vous n'avez pas tous les jours votre Far Cry. Vous continuez de vous plaindre parce que vous n'avez pas tous les jours God of War. Sachant que je suis en live tous les soirs sur ma chaîne. Attention, attention. Sachant que je suis en live tous les soirs sur ma chaîne Twitch. Vous vous rendez pas compte la masse de travail que j'ai. Alors, forcément. Hop. Alors, moi, je suis plutôt quelqu'un de solide. Vos petits coups de pression, ça marche pas sur moi. Il va falloir que vous vous calmiez dans les commentaires. Sinon, je vais débarquer en Y. Et quand je débarque en Y, je suis là pour... tu vois ce que je veux dire? Je tape dans le couscous, tu vois, pour raffermir les grains de semoule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir vous calmer pour certains. Me forcez pas à bannir dès que quelqu'un pose une question. Vous aurez Far Cry quand je le veux, vous aurez God of War quand je le veux, et vous aurez Shadow of the Colossus quand je le veux. Je n'ai pas abandonné, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous n'étiez pas là pour le regarder au moment où je le faisais. Donc maintenant, faites pas les mecs qui attendent. Ok, respirez, tout va bien se passer. On va s'amuser tous ensemble, il n'y a pas de souci. Bref, j'ai récupéré une pomme! Dad, regardez ma vie, elle a vraiment bien augmenté. Pour le coup, ma vie a vraiment bien augmenté. Alors par contre, vu que le niveau d'eau a baissé, il y a un truc qui me rassure pas trop. C'est comment je peux retrouver mon chemin pour retourner voir la sorcière. Je pense pas que ce soit par là. Oh, on peut s'arrêter par ici, il me semble, non? Oh, c'est bien beau tout cela. Et c'est pareil, vous avez des épisodes de 30 minutes presque tous les jours. Et quand j'oublie un jour, bah, vous avez deux épisodes comme aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre, c'est chiant. Comme disait ma grand-mère, peu importe ce qu'on vous dira, les singes ne comprennent pas. C'est-à-dire que j'ai beau vous dire, les gars, des vidéos, ça se fait pas comme ça. Vous, vous avez l'image du mec qui est assis sur sa chaise, juste qui joue et basta. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça marcherait comme ça, vous doutez bien que l'aventure serait déjà finie. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir cette porte, j'imagine. Sûrement en arrachant les dieux, je pense. Mais vous vous doutez bien que l'aventure serait déjà terminée, ce qui n'est pas le cas. Donc... On dirait une roue à aube. Enfin, plutôt une roue sous l'aube. Est-ce que tu viens de rire? Non. T'es sûr? Oui, je ne ris pas. J'avais remarqué. Eh, on peut pas s'arrêter là? Oh doux Jésus, quelle est cette tromperie? Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous le demande gentiment. Encore une fois, ne forcez pas à débarquer en Y dans les commentaires. Ça peut chicoter. On se calme, on respire. Vous aurez vos épisodes. Vous aurez vos aventures. Je rappelle que j'ai terminé au minimum 90% de tous les let's play que j'ai commencé. Maintenant, calmez-vous. D'accord? Prochaine fois, je le dis ici, tout de suite, maintenant.
les prochains qui disent ouais tu peux pas faire des vidéos d'une heure, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, ça sera le ban. Et j'espère que vous êtes fiers de vous parce que regardez, ça fait 5 minutes, on fait que de parler de ça et c'est insupportable, je trouve que ça gâche le plaisir de kiffer tout simplement. Allez, on est parti. Pas ces runes. Quoi? Si on retrouve le code, je pourrais les traduire. Si on retrouve... D'accord, tu connais pas cette rune, tu m'as déçu, fils. Ok, on a un ascenseur, donc ça c'est un système d'ascenseur, hein, on adore. Donc pour le moment... Oh, qu'est-ce que c'est? Tiens, donc... What? Oh! Quoi? Non! C'est quoi ça? C'est ce qui m'arrive à chaque fois que je vais dans l'espace commentaire. À chaque fois que je vais dans l'espace commentaire et que je vois les commentaires, ça me fait la même sensation. Ça me couche direct. Oh, c'est terrible! Je pense que faudra revenir quand on sera un peu mieux équipé. Là, c'est assez terrible. Allez, on est parti! Je vais donc aller sur le pont où on devait aller. Allez, je vous ai épargné bien 2 minutes de trajet. Hein, vu qu'on a commencé la vidéo, c'était un petit peu compliqué, n'est-ce pas? On est parti! Installez-vous confortablement encore une fois pour cet épisode 6. Je me répète. Mais qu'est-ce qu'on kiffe? Qu'est-ce qu'on a là? On va découvrir, non? On dirait un bouchon ce soir. À mon avis, ça marchera pas. Je vais t'arracher, fils. Hein. Fils, faut que t'arrêtes de me sous-estimer. Hein. Là, tu me prends pour un bolos, fils. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous. Brock? Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. D'accord, il s'est fait déjà son petit atelier, il s'est mis plutôt bien. Il a acheté des tapis et tout. Tu te déplaces toujours au pas de course comme ça? Eh frère, il faut 8 ans là pour faire 3 mètres. Allez hein, c'est quoi que tu veux me donner là? Dis-moi tout. Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Ok. Bon, dites-moi ce que vous avez trouvé. Je vais pas être méchant, mais ça me donne envie de quitter le chemin quand on l'essayera. Les talismans, les pommeaux, les enchantements sont désormais disponibles. Alors, je peux fabriquer pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce qu'on a là? Clairement, lanière d'avant-bras, je pense que c'est très bon pour la défense. On va se fabriquer ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va l'équiper d'office. Voilà. Donc ça, il y a des moments où on va passer pas mal de temps là-dedans. Ok. Ça, ça me paraît pas mal non plus. Ça augmente la force. On va fabriquer. C'est la première fois qu'on se customise vraiment bien. Armure d'Atreus. Oh. C'est dommage. Pommeau de hache, très bien. Augmente les chances d'activation d'atouts et les gains d'XP et d'argent. Ah, c'est pas mal en vrai. Et ça augmente aussi la force. Franchement, je prends volontiers. Je prends volontiers. On va essayer ça et si ça me plaît pas, on changera. C'est pas le problème. Ok, l'hache est encore plus cool. Et c'est pas si cher que ça. Symbole de menace. On va acheter... Voilà, ça on a pris. On va acheter cet enchantement. C'est pas mal. C'est pas mal ça, mon frérot. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Allez, chance avec tout ce saccage. On est stuffé comme Jaja. C'est parti, direction le menu. On va voir un petit peu ce qu'il y a à nous dire. Marqueurs. Les marqueurs indiquent les points d'intérêt sur la carte et peuvent être filtrés par catégorie. Très bien. Très bien. Il est temps d'aller voir un petit tour dans les compétences. J'ai toujours pas beaucoup d'argent. On va faire attention. Par contre, là, ce qui peut être très intéressant, si je puis me permettre, c'est retirer, regarder les emplacements et mettre ça à la place. Mettre ça à la place. Et comme ça, je perds 2 de défense, mais je gagne plus 3 en vitalité. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît vraiment pas mal. Pas ouf, je crois que c'est ma hache. 2 départ. Bon, on s'est plutôt bien amélioré. Qu'est-ce qu'on a là?
J'ai envie d'essayer, mais je sais pas où ça va me mener en fait. Et rappelez-vous ce qu'il a dit, c'est un sens unique. Vraiment envie d'essayer. D'accord. Ok, on va éviter pour le moment, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien, très bien. On a quoi pas ici? On a ça, ça ne sert à rien. Ah mince, j'ai beaucoup plus stock. Ok, bah c'est pas... On va pouvoir y aller les gars, on va pouvoir y aller, on peut partir. C'est parti, Brooke, je me casse. Et direction, droit devant, en espérant qu'il n'y ait pas trop... Oh si, s'il y a des ennemis, c'est pas mal. Ça me fait pas mal d'argent. On va voir un petit peu ce que ça donne. Il va y avoir quelque chose ici. Hein. Vous croyez que je... Oh, j'ai mis tellement ce qu'elle mérite à celle-là. Oh, c'est terrible. Non, ça se fait pas, ça se fait pas. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a un ascenseur. Déjà, on va voir où il mène. Oh, il y a tellement de chemin, il y a tellement de choses à faire. Ok, maintenant il mène là, très bien. Donc soit nulle part. C'est peut-être parler, c'est peut-être pour parler, pardon, au serpent monde ici, non? Ok, on se casse. Ça mène à rien. J'ai pas compris le projet de l'ascenseur pour le moment. On va pouvoir y aller directement. On va aller tout droit devant. Et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Là, on a aussi quelque chose, mais rien à faire, rien à décrypter. Encore une fois, n'hésitez pas à profiter de la qualité depuis un PC, c'est toujours mieux. Oh, salut les gars! Allez, combat avancé d'Atreus. Atreus est plus sûr de lui lors des combats et peut désormais aider Kratos en attaquant physiquement les ennemis quand il voit une opportunité. Ses capacités peuvent être améliorées dans l'onglet compétences. Très bien. Ok. Vous êtes prêts les gars? Allez, ça dégage. Là, on commence, on attaque. Sans aucune once de respect. Allez, c'est parti, on peut attaquer. Alors, vous étiez nombreux à me dire, mais B-Boy, quand ça fait ça avec le bouclier, faut bombarder l'attaque. Et comme ça, tu ripostes. Je le sais, les gars, vous m'apprenez rien, c'est pas méchant. C'est comme dans la plupart des beat'em all, bien évidemment. Allez, ça dégage. Oh, mais t'es un monstre. Attention, ça pète. Oh, ça n'a pas suffi de se protéger. Ok, d'où Jésus. On a pas mal de petits trucs sympas ici. Je connais pas ces runes. Tu connais si vraiment rien. Le code, je pourrais les traduire. Fils, ce que j'ai fait à ce coffre, je peux le faire à ta tête si tu fais pas d'effort. Fils, bam. Ok, on a des ascenseurs qui mènent... Oh, d'où Jésus de Nazareth. Ça me paraît pas mal tout ça. Ah là là, on est obligé les gars, on est obligé. On est là pour prendre notre temps, on est là pour kiffer. Même s'il y aura 60 épisodes les gars, ne stressez pas, c'est pas grave. Moi ça me gêne pas s'il y a 60 épisodes. Au pire, rassurez-vous, ça me fera beaucoup plus d'argent. Hein. C'est bien connu, les youtubeurs sont tous millionnaires. Tiens, on va passer par ici. Pareil, pas mal. Atreus, accroche-toi bien. Sur les épaules de papa. Oh, tour de tour. Oh, un petit raccourci, ça fait plaisir. Ça, c'est la famille. Ok, déjà, on a créé un premier raccourci. Ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir descendre. Bon, pas de soucis, on avait pris le coffre. En tout cas, les pommes... comment ils appellent ça? Bref, les pommes, pas négligeables. Tu viens ou pas, fils? Allez, viens pas. Regardez, il va se TP. Hop, il s'est totalement TP. Tour de magie. Atreus, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Il est là, il est partout. Il est beau, il est grand. C'est mon fils. Ok, on va passer ces portes de l'enfer. Avant cela, peut-être... Attendez. Ah non, mais il y a mon bateau. Il y a un bateau. Non, c'est pas très intéressant. On est parti, on continue. On y va. Yo, les gars. Quoi? C'était quoi? Attention, ça pète! Oh là là, c'est terrible hein, qui pète. Arrête! Donc là, voilà, c'est ça que je parlais, la riposte. El famoso riposto. Bah oui, c'est forcément que tu prends tout ce que tu mérites. Allez, ça dégage. Bon, fils, traduis-moi ça. Ah, mais putain, t'as pas appris là en 2 secondes? Terrible, fils! Oh, d'où Jésus? Vous l'avez vu, une petite fresque sympa, cachée juste ici. Encore un de ce côté. Regarde, c'est le serpent monde. Il est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Oh, regarde, il a mordu Thor. Ou il le mordra, plutôt. D'accord, donc le serpent monde fait le tour de tous ses royaumes. Je pense qu'on va appeler ça les royaumes.
très intéressant. On verra plus tard ce que ça va donner. Connaissance ajoutée, ça c'est plutôt cool aussi. Je suppose que Chris, tu ne sais toujours pas lire. J'arrive toujours pas à les lire. C'est quoi ça? Du poison. Ah. D'accord. D'accord. Je vais devoir me battre sans ma hache. Faut surtout pas faire triangle. Si, c'est bon. Sinon, ça pourrait être terrible. Tiens, on va prendre ça aussi. Merci, frérot. Qu'est-ce qu'on a là? Toujours pas faire triangle. Ici, faut se battre mano à mano. Ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Très bien. Bon. On a une cloche. Je peux descendre ou pas, fils? Yes, impeccable. Ok. C'est pas mal. Allez, ça dégage. Ça dégage totalement. On a quelque chose ici. Oh, d'où Jésus. On a encore quelque chose. Il faut que j'arrête de dire d'où Jésus, d'où Jésus. Qu'est-ce que ça peut être? Ça, il faut que mon fils... Oh la vache! Oh, un coffre en duo! Un Pokédex! C'est un fragment de code scriptural. On devrait chercher les autres. Ah? Donc ça permettrait de savoir lire peut-être, non? 1 sur 4, très bien. Tu veux toujours pas, fils, hein? Tu veux pas faire d'effort, hein? Tu veux pas faire d'effort. Ok, je vais rappeler tout de suite. Mâche. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Très bien. On va monter. Oh, mais c'était quoi exactement? L'odeur est épouvantable. Ta mère les appelait des poteaux d'infamie. Ils libèrent du poison. C'est elle qui m'a appris à les neutraliser. Quoi? C'est drôle de penser qu'elle ait pu t'apprendre quelque chose. C'est vrai. En tout cas, le petit plaisir hein, de rester ici et de ne rien pouvoir faire. Attendez, j'ai vu un rond qui s'affiche. Une sombrerie sûrement. Ah, c'est bon. J'ai cru qu'on allait jamais y arriver. J'ai eu peur, j'ai fait faire demi-tour, hein. J'étais à deux doigts de tout casser. On a quelque chose ici, on a aussi quelque chose ici, aucun souci. On pouvait aller soit ici, soit derrière. Bon, on verra bien, hein, les gars. Hein. Advienne qui voudra, hein, comme on dit dans le milieu. Hein. Ok, sésame. Ouvre-toi, ouvre-moi, ouvre-nous. Ouvre-toi. Très bien, wow. Carte mise à jour. Il y a du brouillard par ici. Un autre nain? Est-ce qu'on... Non. Ne fais pas attention à lui. Excuse-moi, mais... Où as-tu trouvé cette hache? Ça ne te regarde pas. Oui, je te le concède bien volontiers, mais je connais cette arme. C'est une de nos œuvres, mais... Nous ne l'avions pas faite pour toi. Écarte-toi. C'est impossible. La femme pour qui on l'a faite, j'étais... Je suis très attaché à elle, et je serais... vraiment très chagriné si je devais apprendre que tu lui as fait du mal. C'était à ma mère. Elle l'a donné à mon père avant de mourir. Faye est morte. Je suis vraiment navré de l'apprendre. C'était une valeureuse guerrière. Et une femme admirable. Très bien. Alors, je suis d'accord pour améliorer la hache. Mais... on te l'a jamais demandé. C'est vrai, mais... connaissant ta mère, elle m'aurait supplié de réparer cet acte de vandalisme perpétré contre sa hache par mon... frère. J'en étais sûr, t'es le frère de Brock. L'autre moitié de la marque est ici. Le nabo bleu est ton frère. Oui, mais je suis bien plus talentueux, je te le jure. Sur la tête de Freya. Ne dénature pas son travail. Contente-toi de le perfectionner. D'accord. Mais tu peux la poser par là-bas. Le manche non. Est...
grâce. Comme tu voudras. Je vais simplement... Oh, c'est du sang séché. Oh. Sur quoi tu travailles? Oh, ça? Je l'appelle le mont de sommet. Le pic de cette montagne recèle quantité de ressources rares. Quand je l'aurai creusé, il me faudra les redescendre. Et tu sais comment le réparer? Je n'en ai pas la moindre idée. Obtenu marque des nains. Je ne sais pas exactement ce que ça va faire. Les pierres de résurrection sont disponibles dans les ateliers. Achetez des pierres de résurrection, pour permettre à Atreus de ressusciter Kratos. Appuyez sur flèche de droite pour accéder à la rubrique. Oh, c'est très intéressant. Combien ça coûte ça? Ok, donc quand je suis mort, je vais pouvoir ressusciter grâce à cette pierre de résurrection. Ça, clairement, j'achète. De toute façon, Atreus ne peut en porter qu'une, donc clairement, il le faut. Aucun souci, on le garde. C'est dans la poche, c'est pour toi, fils. Pas de problème, il a sa première pierre, ça fait plaisir. Améliorer maintenant, bah ouais, mais il n'y a plus grand chose à améliorer. Hein. Il l'a déjà fait. Hein. Qu'on se reverra. On va lui parler quand même. Vous avez vraiment fabriqué cette hache pour ma mère? Oh, je la reconnaîtrai entre mille. Une de nos plus belles œuvres. Infusée de l'écho des cris de 20 trolls des glaces. À peu près. Mais pourquoi elle? Comment vous l'avez connue? C'est elle qui nous a trouvés la première fois. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Nous y avons vu une occasion de donner du pouvoir à quelqu'un qui l'utiliserait pour faire le bien. Elle parlait même notre langue maternelle. Elle nous a dit... Mavrin sem gengur. Egin vegum hans. Gengur ein. C'est ça. Impressionnant. Je vois beaucoup d'elle en toi. Tu sais. Merci, Sindri. Ne me touche pas. Quoi? J'ai rien fait. Pardon. Je reviendrai plus tard. D'accord. C'est très intéressant. Je l'aime bien, ce vendeur. Je le préfère à Brock, hein, pour le coup. On a amélioré de nouvelles choses. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, lors d'une esquive, ok, et donner un coup de hache. Très bien. J'ai beaucoup de choses à améliorer, mais... Atreus aide Kratos lorsqu'un ennemi est dans un certain état de vulnérabilité lorsque son père est attaqué. Ça, c'est pas mal. Allez, ça, on le prend. Ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Atreus peut effectuer diverses attaques en infligeant des dégâts importants d'étourdissement. Ah, c'est pas mal, ça. Oh, il sera monstrueux, mon fils, avec ça. Il sera monstrueux. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ça, on peut pas savoir encore. On peut pas savoir, on peut pas le débloquer. Bon, c'est plutôt pas mal. On est très, 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 très bien. On va pouvoir continuer notre petite aventure. C'est parti. J'avais trouvé quelque chose qui brillait, voilà, pendant la cinématique. Ça, c'est fait. Ça, voilà, ça sert à rien, on sait jamais. Imaginez, ça se casse, ça serait cool. Ça, on prend aussi. C'est que de la vie. Quand il y a de la vie, il y a de la joie. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Ok, on a quelque chose ici. Rien de grave. Oh, c'est tellement beau le coup de hache comme ça derrière. Ça, c'est bien. Ok. Ça, c'est beau, ça. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Va falloir faire attention maintenant. C'est pas du tout. Hop. Saloperie. C'est pas vrai, je vais pas y arriver. Oh, c'est beau, ça. Ça dégage. Allez, ça dégage aussi très très vite. Ça, c'est pas mal, on s'en sort plutôt bien en vrai. Même si ça paraît confus. J'ai une maîtrise totale de ce que je fais. Ça va, frère, t'es où? Ça vient. Oh, c'est dommage, dommage. Ok, va falloir que je trouve quoi. Allez, ça dégage. Ok, on va pas faire attention hein, quand même, ça devient de plus en plus étroit, si je peux me permettre cette expression. Ok, bestiaire mise à jour. Les gars, laissez-moi tranquille là, 2 minutes, non? Quelque chose à faire moi ici, hein. Ici, oh là là, Jésus. Ok, ça on va ramasser, d'office, je pense que c'est ça. Ça bouge des symboles, très bien.
Trois symboles différents. Oh, lui, lui. Allez, il faut qu'on le trouve parce que lui, il va pas faire. Je sais pas du tout où il peut être. Des ennemis devant. Ça, on prend. Ça, on prend. Ah, d'accord. Il est où, doux Jésus? Je ne le vois pas, en fait. Bah voilà. Allez, ça c'est fait. Ok, on a les symboles. J'ai trouvé un nouveau coffre. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il va falloir, clairement... Ah, que je trouve les autres symboles. Et ça, ça risque d'être très compliqué. 400$, c'est pas mal. Pour s'améliorer, ça en prend aussi. Bon, 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 bon. On a un nouveau symbole ici. Ok, on en a 2 sur 3. C'est de la recherche, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Si vraiment on passe tout un épisode à rechercher, vous vous doutez bien que... On continuera pour que vous ayez un petit peu de... Oh! D'accord, ouais, mais alors comment je peux... c'est terrible. Je peux pas vraiment savoir, en fait. Si? Non, toujours pas. Et est-ce que d'ici, je peux le savoir? Je peux toujours pas le savoir. Faut que je fasse le tour à chaque fois, ça va être terrible. Donc, c'était 2 fois. Ok, normalement, c'est bon. Si je ne m'abuse... On va pouvoir récupérer... Voilà, ça c'est beau. Allez, un nouveau coffre. Une pomme, ça serait cool. Ou pourquoi pas le mode rage. Ah, ça c'est le mode rage. Je reconnais bien. Yes, 2 sur 3. Ça c'est bon. Je sais que j'en ai loupé une au tout début, mais vous inquiétez pas, on y retournera. Pas de soucis. Allez, on trace un petit peu. On a perdu pas mal de temps. Mais on a fait connaissance quand même d'un nouveau vendeur. Et ça, j'arrive pas cool. à voir. Est-ce qu'on se rapproche de la montagne? Oui. Elle est loin, la montagne, hein, fils, hein. Elle est très très loin. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 non. Ok. Gauche ou droite, gauche ou droite? Ça, c'est pas mal. Là. Allez, encore un coffre. Oh, c'est bon ça. Affiché dans le menu. On va voir si ça m'offre plus de 5 en récupération, moins 3 en défense. Franchement, franchement, ça me paraît pas mal en vrai. Hein. Je le mets. C'est dommage, je venais de les acheter. Ah, j'ai mal. Mon cœur souffre un petit peu, les gars. Ok, c'est pas mal. Ça encasse sur un malentendu. Je me suis cassé. C'est bon ça. On découvre encore de nouvelles choses. C'est par ici. Allez. Bien joué. Bien joué. Ok, c'est pas grave. Ah, c'est pas vrai. Bien joué, elle a été meilleure. Ok, ça, on casse. Parce que là, on a quelque chose. C'est pas ce que ça peut être. Ce symbole me rappelle quelque chose quand on était près du serpent monde. On va passer par ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cool par ici. Hein. Oh les gars, il y a tellement... Oh, d'où Jésus. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Je peux pas. C'est une chambre cachée, mais je ne peux pas, je crois. Il est où, mon fils? Atreus! Oh, mais il se bat encore! Pas vrai! Quoi? Tellement injuste! Ok. Ok, c'est pas grave, j'ai utilisé le mode rage pour rien. Mais il est où? Oh, il tire à travers, mon dieu! Aïe!
T'es où écoute Atreus, là ça commence à me gonfler hein. Fils, il faut que tu me suives là, vraiment. Fils, tu es où là? Atreus a totalement bugué les gars. Viens Atreus, viens. Viens mon fils. Parce que là tu t'es perdu. T'as été dans le côté obscur de la force. Voilà. Père, attention. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, elle est morte. Les gars, je suis pas bien. Faut que je récupère de la vie très rapidement. Sinon, je donne pas cher de moi. Et ça serait fort dommage. On va aller dans la chambre cachée. Bien, Atreus, hein, c'est le moment. J'ai pas du tout... Voilà, on peut enfin utiliser le miroir. Il est bien verrouillé. D'accord. Très bien. Tout ça pour cela, n'est-ce pas? Un peu déçu, je vous cache pas que j'ai peut-être la petite larme, hein, si je peux me permettre l'expression. Oh, c'est beau ça. Tu peux faire tomber. Il n'a pas fait tomber grand-chose sur le coup. Très bien, on va pouvoir tracer, c'est bon. Allez, on s'est débarrassé du... J'ai plus de vie, les mecs. J'ai plus de vie, le poison, il m'a... Il m'a mis ce que je méritais. Oh yes, de la vie. Ça, c'est plutôt bon. Oh là là, ça m'a même régalé. Je pense que... 1000. Tu pourrais me laisser la porter sur la fin. Je t'ai déjà dit non. Pourquoi? Je tenais plus à elle que toi, de toute façon. Quoi? C'est juste que je passais plus de temps avec elle. T'étais souvent à la chasse. Tu ferais mieux de te taire, maintenant. C'est lourd! Ah. Ok, c'est pas mal. Ça, c'est beau jeu, ça! Ok, on va utiliser les explosifs. Pas mal, hein. Tu dois être plus efficace, Atreus. T'es pas assez efficace, Atreus, on te l'a déjà dit. Hein. Ah bah tu chies un peu hein, dans la colle, hein, si je peux me permettre l'expression, Atreus. Hein. Mais bon, c'est pas grave, tu vas apprendre, reste avec papa, tout va bien se passer. Okay, on a quelque chose ici, je ne peux pas y aller. Évidemment. Ah, c'est pas mal. Ah, ça crée un chemin, c'est pas mal du tout, ça. Très bien. Allez, hein, c'est pas grave, on prend des risques ici. Allez, un nouveau cop. Ça, c'est fait. On va s'arrêter là, les amis. C'est une attaque runique rapide. Qu'est-ce que ça peut faire? R2 ou R1 pour enchaîner. Oh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Mais c'est du corps à corps. Je sais pas encore, on y réfléchira, mais j'ai trouvé à voir. Donc comme je vous disais, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos incroyables aventures sur ce God of War. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.